Shalom, précieux frère Dylan. Bienvenue parmi nous. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Saint-Esprit me contrôle, Jésus Saint-Esprit, le consolateur en moi. Il demeure, alléluia, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Sur le bon chemin, Jésus. Bonjour, frère Valérie. Bienvenue parmi nous. Shalom, Zoé Tabernacle. Amen. C'est ici au pied des ailes, il y a longtemps je les ai abandonnés. Tout ma vie changée un jour, sont enlevés, le consolateur demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Sur les trois chemins, je la joue. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie, le jour, la nuit, le consolateur de moi. Amen. Dieu bénisse mon frère Rodrigue, bienvenue parmi nous. Artec Media Services. Dieu bénisse, merci d'être parmi nous. Nous voulons communier autour de la merveilleuse lettre que
notre prophète Joseph Branham nous a adressé aujourd'hui. Roticolor, God bless you. Bienvenue parmi nous. Thierry, que Dieu bénisse. Précieux frère Évariste, Dieu bénisse, révérend. Merci d'être avec nous. Nous voulons communier autour de ce que Dieu est en train de faire pour nous. Parce qu'il fait des choses vraiment, vraiment merveilleuses. Et nous sommes les gens privilégiés. Un peuple contemporain d'un prophète. Et nous sommes heureux de suivre le leadership de ce prophète. Et William Branham dit que les gens qui étaient spirituels dans tous les âges, ils consultaient les prophètes. Donc nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis d'avoir un prophète parmi nous et la possibilité qui est la nôtre de le consulter. Oui, le consolateur demeure en nous alors que nous marchons sur les trois chemins. Nous voulons partager autour de cette lettre que vous avez reçue, comme moi. Lettre que vous avez lue et vous l'avez comprise. Dieu bénisse Frère Jean-Pierre. Donc nous allons insister sur ces choses parce que nous sommes très souvent mal compris et facilement mal compris. Nous ne faisons pas ceci pour interpréter la lettre de Frère Joseph, non. Nous ne faisons pas ceci pour expliquer la lettre de Frère Joseph, non. Nous faisons ceci juste pour communier autour de la parole de Dieu, parce que nous croyons que cette lettre-là ou ces lettres-là que nous envoie Frère Joseph font partie, sont aussi la parole de Dieu. Du moins, c'est ce que je crois. Et nous pouvons donc communier autour de cela librement comme des chrétiens. C'est quand les chrétiens se retrouvent, ils parlent de Jésus. Et quand ils parlent de Jésus, Jésus vient naturellement au milieu d'eux. C'est ce que nous a enseigné Frère Branham. Il nous a encouragés à parler de Jésus. Et quand on parle de lui, il finit par venir. Car il a dit que c'est au milieu de deux ou trois assemblées à son nom qu'il se retrouverait. Et nous vivons dans cet âge où, justement, la technologie nous permet de nous retrouver ensemble. Où que nous soyons, nous pouvons nous retrouver ensemble au moyen de la technologie et communier autour de la parole. Nous prenons donc avantage de tout ce qui tombe dans nos mains pour faire avancer le programme de Dieu. Et comme j'ai pour habitude de le dire, tout ce qui tombait entre les mains de Samson devenait une arme de destruction massive, de telle sorte qu'avec une simple mâchoire d'âne, il tua 1000 Philistins. Il tua 1000 Philistins. Et Frère Branham de nous dire que ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, mais c'est plutôt la taille du combat dans le chien. Ce qui fait que même si le chien est petit comme ça, mais s'il prend la mesure de la bataille et du combat, il va agir de façon à remporter la victoire. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, 5 novembre 2022,
et nous avons reçu cette merveilleuse lettre de notre bien-aimé frère et prophète Joseph Branham. Lettre autour de laquelle nous voulons communier aujourd'hui pour nous encourager les uns les autres, pour davantage prendre conscience de ce que Dieu est en train de faire en ce temps-ci. Car beaucoup sont ceux-là qui malheureusement disent être des croyants du message, mais occultent la présence du prophète qui est au milieu de nous. Ce prophète n'est pas venu de nulle part. Ce prophète qui est au milieu de nous, à savoir Joseph Branham, est venu de la parole que vous et moi nous croyons. Joseph Branham vient du message que vous et moi nous croyons. Quand nous lisons ou écoutons ce message-là, nous pouvons voir son nom partout là-dedans. Et William Branham nous a dit que Joseph est un leader, et comme nous le disons toujours, il n'y a pas de leader sans disciple. Bienvenue parmi nous, frère Daniel. Dieu vous bénisse, ma sœur Suzanne. Dieu vous bénisse aussi, frère Yorick. Alors, il n'y a pas de leader sans disciple. Donc, nous n'avons pas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes des disciples de Joseph Branham. Et nous le suivons là où il nous mène et là où il nous conduit. Et nous avons remarqué que là où Joseph Branham nous mène et nous conduit, c'est dans le programme de Dieu pour ce jour, dans la volonté parfaite de Dieu pour ce jour. Et la volonté parfaite de Dieu pour ce jour, c'est d'écouter la voix de Dieu pour notre génération, car cette voix a été enregistrée pour que les élus puissent l'entendre. Et nous sommes heureux donc d'entendre cette voix, nous sommes heureux d'écouter ces bandes, car elles ont été enregistrées pour vous et moi et nous ne sommes pas complexés. Et nous croyons que c'est en écoutant les bandes et seulement en écoutant les bandes que nous avons la possibilité d'écouter le message. Je répète, nous croyons, vous et moi, que c'est seulement quand nous écoutons les bandes que nous sommes en train d'écouter le message du temps de la fin. Si nous n'écoutons pas les bandes, ce dont on nous parle là, ce n'est pas le message que nous écoutons. C'est quelqu'un qui vient avec son sujet à lui, il se met à déployer, développer son sujet et il prend des citations de William Branham pour soutenir son sujet à lui. Il prend des citations de Frère Branham pour soutenir ce que lui est en train de dire. C'est ce que nous avons fait depuis des années. C'est ce que les prédicateurs ont fait toutes ces années. Chacun venait, et ça continue jusqu'à ce jour, chacun venait avec son sujet, il développe son sujet et il prend des citations de William Branham pour soutenir son sujet. C'est de ça dont il est question. Nous prenons William Branham comme témoin de nos prédications. Donc nous faisons de William Branham le témoin de nos prédications, le témoin de nos explications, le témoin de nos démonstrations. C'est-à-dire que de la façon que nous citons William Branham, Dieu de la chair, Frère Branham dit, nous pouvons aussi citer Einstein de la même manière. Nous pouvons citer Shakespeare de la même manière. Shakespeare a dit, un tel a dit, est-ce que quand quelqu'un vous donne une citation de Shakespeare, il vous a donné le message de Shakespeare? Quand quelqu'un vous donne une citation de Shakespeare ou cite Shakespeare, il ne vous donne pas le message de Shakespeare. Il vous donne la pensée de Shakespeare pour soutenir ce que lui est en train de dire. Comme disait Shakespeare, comme disait Jules César, comme avait dit un tel frère, un tel penseur, un tel philosophe, voilà ce que nous faisons en réalité. Bienvenue parmi nous, ma sœur Christelle. Bienvenue parmi nos frères Samuel. Que Dieu bénisse sœur Florence. Voilà. Donc, quand nous citons Shakespeare, nous ne sommes pas en train de donner le message de Shakespeare. Nous sommes en train de prendre une pensée de Shakespeare, une citation de Shakespeare, pour soutenir notre pensée, pour soutenir notre thèse, pour soutenir le sujet que nous sommes en train de développer. Le sujet, il est le nôtre, mais nous, nous référons à Shakespeare pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Et les prédicateurs ne réalisent pas que c'est ce qu'ils ont fait avec William Branham et que c'est ce qu'ils continuent de faire avec William Branham. Et en agissant de la sorte, malheureusement, ils s'en vont dire qu'ils sont en train de prêcher le message de William Branham. Jamais. Quelqu'un qui développe sa thèse et qui prend quelque part, je veux dire, la citation de Shakespeare ou de quelqu'un d'autre, il ne va pas dire que la thèse là, c'est la thèse de Shakespeare. Non, c'est sa thèse à lui.
mais il a pris des gens qui ont existé avant lui pour étayer pour que tel avait déjà abordé à peu près, peut-être le 1/10 de ce que je suis en train de dire. Voilà ce qu'il avait dit. Voilà ce qu'était sa pensée sur le sujet. Voilà de quoi il est question et voilà exactement ce que les prédicateurs font du haut des chairs. C'est pourquoi prêcher en lisant des bouts de citations du message de William Branham, extrait des citations, extrait des sermons de William Branham, ce n'est pas prêcher le message. Et si c'est comme ça que vous évoluez dans le message, vous n'êtes pas en train d'écouter le message. Vous êtes en train d'écouter ce prédicateur-là. Vous êtes en train d'écouter ce pasteur-là. Vous êtes en train d'écouter en fait le message de ce pasteur-là. Et il prend William Branham comme témoin de cette déclaration, comme témoin de son exposé. Mais William Branham n'est pas censé être le témoin de nos exposés. William Branham n'est pas censé être le témoin de nos prédications. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous devons plutôt venir parler pour préparer la plateforme à William Branham, pour préparer le terrain, et ensuite introduire l'homme qui a le message. Donc nous ne devons pas nous contenter des citations. C'est pourquoi si nous remontons l'histoire, vous allez voir que les gens comme les Neuville, les Collins et autres, quand ces gens-là prêchaient, ils s'inspiraient tout simplement de la Bible. Ils reposaient sur la Bible, ils tiraient leur sujet de la Bible et ils commentaient leur sujet juste à partir de la Bible. Il n'était pas en train de dire, Frère Branham, telle citation. C'est un modèle que nous avons retiré de quelque part. Et comme les gens ont cru, ils ont trouvé des gens en train de faire ça. D'autres ont cru après, ils ont trouvé en train de faire ça. C'est devenu pour nous le modèle par excellence. Ce qui fait que quand on s'oppose à ce modèle, ou qu'on dise aux gens qu'on doit en réalité écouter les bandes, ils nous disent que nous sommes en train de les amener à faire ce que la parole ne dit pas. Mais ils ne vous montreront pas dans la parole là où il est dit qu'on doit prêcher en lisant des bouts de citations. C'est la raison pour laquelle ce que nous faisons, comme a dit notre leader, c'est réguler la circulation et dire aux gens que la chose à faire, c'est d'écouter les bandes. La chose principale, c'est d'écouter les bandes. Et ce que nous voulons faire, c'est de garder la voix du septième ange devant les gens. C'est pourquoi je le dis toujours et je vais encore le répéter ici. Si les interventions que je fais sur cette plateforme, chaque fois que je parle, si je ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes, pendant que je parle, si je ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes, ne venez plus suivre ces interventions, ne venez plus suivre mes vidéos. Je vous en prie. Parce que tout ce que je fais doit diriger les gens vers l'écoute des bandes. Mon rôle, c'est celui d'élever la voix du septième ange, c'est celui de donner de la valeur à la voix du septième ange, c'est celui de dire aux gens que la chose principale, c'est d'écouter les bandes, que les messages les plus importants sont les messages de William Branham et comme nous allons les lire dans la lettre de ce jour. Donc, je suis content que vous soyez de ceux-là qui ne trouvent aucun complexe à appuyer sur le bouton lecture, à s'asseoir dans le calme, dans la tranquillité et d'écouter Dieu nous parler à travers son messager. Et la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour faire ce travail-là. En fait, vous et moi, que vous soyez frères, que vous soyez sœurs, femmes mariées, célibataires, la vraie raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, là, c'est pour écouter et faire écouter les bandes. Je répète, la vraie raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre, c'est pour écouter et faire écouter les bandes. C'est pour écouter et faire écouter la voix du septième ange. Tout le reste là n'est que accessoire. Tout le reste là, c'est le confort dans lequel Dieu nous place pour mieux faire ce que nous avons à faire. Et la volonté parfaite de Dieu, le programme de Dieu pour aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes écoutent les bandes et les écoutent par-dessus tout. Nous l'avons dit hier, nous le disons aujourd'hui, et si le Seigneur nous garde en vie demain, nous allons dire la même chose. Vous n'écoutez pas le message aussi longtemps que vous n'avez pas commencé à écouter les bandes. Vous n'écoutez le message que quand vous appuyez sur lecture, vous vous asseyez et vous commencez à entendre William Branham dire « Bonjour mes amis, bonsoir mes amis ». Ce n'est qu'alors que vous commencez à écouter le message. Avant ça, ce ne sont que des témoins, des individus qui sont venus nous parler du message sans jamais nous donner la possibilité d'écouter le message. Frère Branham dit, mais malheureusement,
il ne s'arrête pas un moment pour dire, je vous ai parlé de Frère Branham, maintenant je veux que Frère Branham lui-même vous parle. C'est ce que Frère Bosworth avait fait en janvier 1950 à Houston au Texas. Il est monté pendant qu'il était en train de discuter avec, respectueusement avec, avec comment il s'appelait, hein, le monsieur qui était là, qui s'opposait à Frère Branham. Docteur Best, hein, je crois que c'est ça son nom. Voilà, Docteur Best et tout. Et pourtant, il avait laissé, Bosworth avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Exact, Docteur Best. Il avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Écoutez bien, on a déjà dit ça dans le passé, mais je vais répéter. Bosworth avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Et Frère Branham avait dit à Bosworth, je ne viendrai pas. Il a même dit à Bosworth, n'y va pas. Bosworth a dit, je vais quand même partir aller relever le défi. Et Frère Branham lui a dit comment il devait faire. Pas de disputes, rien. Pas de... Bosworth a dit, je ne vais pas me disputer. Il est parti à laisser Frère Branham à l'hôtel. Et pendant que Bosworth était en train de parler, il a juste posé une question à Dr. Best. Est-ce que les noms, les sept noms rédempteurs de Jéhovah, les sept noms de Jéhovah, les noms rédempteurs là, se rapportaient-ils à Jésus-Christ? Il a eu des difficultés à répondre. Et quand Bosworth l'a coincé comme ça, au bout d'un moment, Bosworth l'a déclaré, il dit, je sais. Voyez l'assurance. L'assurance avec laquelle il a parlé. Il dit, je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter à venir à la chair. C'est ce que Bosworth a dit. Il dit, je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter à venir à la chair. La question qu'on est en droit de se poser est celle-ci. Comment Bosworth a-t-il su que William Branham était dans la salle? Alors qu'il avait laissé William Branham à l'hôtel et que William Branham lui avait dit, je ne viendrai pas. Mais d'où venait que Bosworth eut cette assurance que Frère Branham était dans la salle? Mais parce qu'en tant que prédicateur, en tant que ministre, en tant que conducteur, et je vais continuer pour dire peut-être en tant que pasteur, il était tellement connecté à William Branham, tellement connecté au prophète, tellement connecté au messager qu'il pouvait savoir quand le prophète était là. Il pouvait savoir quand le prophète était là. Il a parlé, oui frère, par révélation. Il a parlé avec assurance. Je sais que William Branham est dans la salle. Je vais l'inviter à la chair. Les pasteurs d'aujourd'hui ne peuvent-ils pas être des Bosworth? Les prédicateurs d'aujourd'hui ne peuvent-ils pas être des Bosworth? Et réaliser que Frère Branham est dans la salle chaque fois que nous avons service au nom du message du temps de la fin. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que Frère Branham est dans la salle, qu'il est au milieu de nous et que quand nous avons fini de parler comme Bosworth, quand nous avons fini d'introduire, de préparer la plateforme, que nous puissions dire, je sais que Frère Branham est dans la salle. Maintenant, je vais l'inviter à la chair. Lui, notre prophète, lui, notre conducteur, lui, notre guide, la voix de Dieu pour notre génération. Bosworth a parlé avec assurance. Je sais que Frère Branham est dans la salle. Et c'est ce que devrait dire chaque prédicateur aujourd'hui. C'est ce que devrait dire chaque pasteur aujourd'hui. Après avoir parlé, après avoir élevé la foi des gens dans le message, après avoir créé la confiance du prophète dans les cœurs des gens, chaque pasteur devrait dire, je sais que William Branham est dans la salle. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu a été enregistrée sur bande magnétique et emmagasinée pour que les élus l'écoutent. Chaque pasteur devrait dire, après avoir parlé, je sais que William Branham est dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il est la voix de Dieu pour notre génération. Il est le prophète de notre génération. C'est lui qui a le message. Chaque pasteur devrait comprendre cela. Après avoir parlé, après avoir pris ses 20, 30 ou tout au plus 45 minutes, chaque pasteur devrait dire comme Bosworth, je sais que William Branham est dans la salle. Oui, William Branham est là dans la salle, au travers du ministère des bandes, au travers des bandes. Chaque pasteur qui se dit croyant du message devrait parler comme Bosworth. Posez-vous la question. William Branham a-t-il menti à Bosworth que non, je ne vais pas venir? Et puis ensuite il est venu. Non, il n'a pas menti. Mais Bosworth est parti en sachant que Branham est resté à l'hôtel, il ne viendra pas. Mais comment Bosworth peut-il parler avec assurance et dire, je sais
Je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter. Et quand il a parlé comme ça, Frère Branham est venu à la chair. Et quand Frère Branham s'est pointé à la chair, la photo a été prise. Qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu sur la tête. Et chaque pasteur qui se mettra dans la position de Bosworth, qui par la foi dira que je sais que William Branham est dans la salle, je l'invite maintenant pour qu'il vienne vous parler. Je vous dis que chaque fois qu'un pasteur introduira William Branham à la chair, au moyen des bandes, William Branham viendra avec la colonne de feu. La bande là viendra avec la colonne de feu. Parce que les bandes là, c'est la plus grande onction qui existe. Chaque fois qu'un pasteur introduira la bande, introduira William Branham, la bande là viendra avec la colonne de feu. Et si vous avez assez de foi, vous serez même capable de la voir comme les frères de la Jamaïque. Bienvenue parmi nous, Maman Mado. Dieu bénisse Frère Yacinthe. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pourquoi nous voulons encourager les pasteurs. Une fois de plus, je veux encourager les pasteurs. Je veux encourager les ministres. Il ne s'agit pas ici de mettre en minorité votre ministère. Non, au contraire, la vraie raison pour laquelle Dieu vous a donné ce ministère, cher pasteur, cher apôtre, cher évangéliste, c'est justement pour venir préparer ce terrain-là pour le septième ange messager. Pour parler comme Bosworth, je sais que William Branham est dans la salle et vous l'invitez à la chair. Pourquoi je répète encore pour dire que si ce que je fais à travers cette plateforme, si tout ce que je dis là, ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes. Je vous en prie, ne venez plus regarder mes vidéos. Parce que considérez à partir de ce moment-là que je suis en train de vous éloigner de l'objectif. Or, je ne veux pas vous éloigner de l'objectif. Ce que je veux faire, c'est vous donner aussi ce courage-là, cette envie d'aller parler à quelqu'un, de dire à quelqu'un d'écouter les bandes. Cette envie de dire à quelqu'un aussi que William Branham est dans la salle. William Branham est là. Le message est là. Et vous prenez les bandes et vous placez ça devant les gens. Oui, frère Bill, Hilario, si vous introduisez la bande à la chair, la bande viendra avec la colonne de feu. C'est comme ça. La bande viendra avec la colonne de feu. Les frères de la Jamaïque se sont rassemblés pour écouter les sauts. La colonne de feu est descendue. Frère Branham dit qu'ils ont eu le temps d'aller chercher un appareil photo. Imaginez ce temps-là dans les années 60. Les appareils photo, ce n'était pas ça, ne courait pas les rues. Aujourd'hui, les appareils photo, on ne sait même plus quoi en faire. C'est partout, on a ça dans les téléphones et partout. Mais en ce temps-là, ça ne courait pas les rues. Ils ont eu le temps d'aller prendre un appareil photo, de trouver un appareil photo. Ils sont revenus, la colonne de feu était là en train de les attendre. Et ils ont photographié. Pourquoi? Parce que la colonne de feu va suivre cette voie. Et William Branham dit que ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et c'est ce que nous croyons. Donc, nous voulons remercier le ciel. Nous voulons bénir le Seigneur pour un homme comme Joseph Branham, qui est dans cette vision, dans ce programme-là, qui est le leader même de ce programme-là, et qui œuvre depuis des décennies à faire entrer les hommes et les femmes dans ce programme-là. Amener les hommes et les femmes, des églises et des pasteurs à appuyer sur le bouton lecture et écouter la voix de Dieu. Parce que cette voix-là est importante. C'est par cette voix-là que nous serons jugés, vous et moi. Nous ne serons pas jugés par autre chose. Nous serons jugés par la voix du septième ange. C'est pourquoi nous avons confiance en Joseph Branham quand il dit qu'il régule la circulation. Et qu'il nous amène à croire chaque mot. Et nous réalisons que ce monsieur de Joseph Branham nous amène vraiment, vraiment, vraiment à croire au septième ange messager. C'est pourquoi ces lettres-ci sont importantes pour nous, les lettres de Frère Joseph. Ces lettres, comme nous l'avons dit dans le passé, ces lettres sont la parole de Dieu. Ne voyez pas les lettres de Frère Joseph là comme autre chose. Il s'agit de la parole de Dieu. Effectivement, si Frère Joseph n'était pas venu, on n'allait pas écouter les bandes par-dessus tout. Parce que chaque prédicateur avait déjà pris son morceau. Chaque pasteur avait déjà pris son morceau. Nous sommes du groupe de tel,
nous sommes du groupe de tel autre, et on s'est dispersé comme ça. Alors que dans la vision, Frère Branham dit, restez auprès de ceci. Le roc blanc là, restez près de ça. Quand il est parti, je dis, Frère Branham, tu veux Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham. Juste un petit groupe est resté là. Faisons en sorte de faire partie de ce petit groupe qui est resté en train d'observer le roc blanc. C'est très important. C'est très important. Donc, je disais tantôt que ces lettres-ci sont très importantes pour nous. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous trompe. Que personne ne... Il y a des gens qui ont qualifié, hein, sur les réseaux sociaux et tout, que les lettres de Frère Joseph étaient des lettres circulaires. Je suis désolé, il ne s'agit pas de lettres circulaires. Parce que c'est un terme péjoratif, ça. Quand on parle de lettres circulaires, on sait ce qu'ils ont, en pensée. Non, les lettres de Frère Joseph sont la parole parce qu'elles viennent d'un prophète. C'est ça qu'il faut comprendre. Le message dit que Joseph est prophète. Et quand ce prophète s'exprime, ses expressions sont la parole. Et je veux revenir sur ce que nous avions dit le samedi dernier. Hein, par rapport à... parce que je veux insister dessus. Vous savez, les mauvais esprits ont la peau dure. Les mauvais esprits, ils ont la peau dure. Il faut les menacer et les menacer sérieusement pour qu'ils soient démasqués, mis à nu et qu'ils arrêtent de causer les dégâts. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela parce qu'il y a là au dehors des gens d'esprit faible, des gens qui n'ont pas la capacité d'aller fouiller la parole, d'aller sonder la parole, étudier par eux-mêmes et pour comprendre ce que dit véritablement la parole. Donc, quand Dieu nous permet de tomber ou ces choses-là croisent notre chemin, il y a une raison. C'est pour que nous puissions essayer de redresser ce qu'on peut redresser. Non pas par notre pouvoir, mais par la parole. Je veux revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, avant que je ne lise la lettre ici. Je vais revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'il y a une comparaison qui a été faite entre les lettres de Frère Joseph Branham et les lettres de Paul. Comme quoi, Paul aurait écrit, Paul a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament, bien qu'ayant écrit la moitié du Nouveau Testament, Paul n'a écrit ou n'aurait écrit que 14 lettres. Que 14 lettres. Et que Joseph Branham a déjà écrit plus de 200 lettres. Donc, montrant que Joseph Branham a écrit plus de 200 lettres, et naturellement, ça veut dire qu'il serait, par exemple, au-dessus de Paul. Bref, je voulais déjà dire ceci, que peut-être que celui qui a fait cela, dit cela, a pris le soin d'aller recenser dans la Bible et voir que Paul n'avait écrit que 14 lettres. En réalité, Paul a écrit plus de lettres que celles que vous voyez dans la Bible. Mais il y en a qui n'ont pas été insérées là-dedans. Par exemple, nous avons combien de Corinthiens? Nous avons 1 Corinthien, nous avons 2 Corinthiens. Mais l'histoire enseigne qu'il y avait même une troisième épître que Paul avait adressée aux Corinthiens. Il y a une troisième épître que Paul avait adressée aux Corinthiens, mais que cette troisième épître ne se trouve pas contenue ici dans la Bible. Donc, Paul a écrit même plus de lettres que ce qui a été identifié là dans la Bible. De la même manière que William Branham a prêché, a apporté plus de sermons que ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a des sermons de William Branham qui n'ont pas été enregistrés. Prenons seulement déjà de 1933 jusqu'en 1947 ou 46. Tous les sermons que William Branham a prêché là, il a prêché beaucoup de sermons. Il a prêché beaucoup de sermons, mais ils n'ont pas été enregistrés. L'enregistrement a commencé à partir de 1947. Et même qu'à partir de 1947 jusqu'à 1965, il y a encore des sermons qu'il a prêchés qui n'ont pas été enregistrés. Et c'est tout cela qui fait la particularité de Frère Joseph. C'est que Frère Joseph, étant l'héritier de son père, il détient même les prédications de son père, des prédications que Frère Branham n'a même pas amenées du haut de la chaire. Saviez-vous cela? Je répète que la particularité de Joseph Branham, c'est qu'il détient même des prédications de son père, prédications que William Branham n'a jamais apportées. Oui, Joseph Branham a ce que les prédicateurs et les pasteurs n'ont pas. Donc, prenez tous les pasteurs que vous connaissez là, les pasteurs de renom, grands pasteurs et tout ça. Oui, Joseph Branham a ce qu'ils n'ont pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand le monsieur a dit, comment est-ce que je sais que je dois vous dire d'écouter les bandes? Comment est-ce que je sais que je dois vous dire de vous en tenir aux bandes? Il dit lui-même, il dit, c'est parce que j'ai consulté les plans. Quand un prophète parle, arrêtez-vous, ne courez pas.
faites ce qu'on appelle une lecture informationnelle. Faites une lecture informationnelle des lettres que nous adresse Joseph Branham pour tirer les informations. Il dit, comment est-ce que je sais que je dois vous dire de vous en tenir aux bandes? Comment est-ce que je sais que je dois vous dire d'écouter les bandes? Il dit, j'ai consulté les plans et j'ai vu que c'est ce que le prophète dit. Posez-vous la question, les plans là, c'est quoi? Vous avez déjà entendu un prédicateur ordinaire parler comme ça? Quel est le pasteur que vous avez entendu dire ça? Quels sont les plans que Joseph a consultés? Il est en possession des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Il a toutes les Bibles de son père. Il a toutes les notes de son père, les notes de prédication. Ce qui fait que quand William Branham pouvait même venir de la chair, prêcher un sujet, il prêche, nous avons ça sur bande. Mais Joseph a des bonus parce que lui, ayant les notes de ces prédications-là, peut voir des choses que William Branham avait mentionnées, mais qu'il n'a pas dit quand il prêchait. Et c'est comme ça que vous allez voir venir, Joseph venir dire des choses. Non, il a dit ça, c'est écrit où? Il a dit ça. Où est-ce que Branham a dit qu'on doit écouter les bandes de l'église? Où est-ce que Branham a dit ceci? Où est-ce que Branham dit cela? Mais le monsieur a les plans. Il a ce que vous n'avez pas. Il a les plans. Parce qu'il est l'héritier. Quand William Branham dit que Dieu prenne tout ce qu'il m'a donné et qu'il mette cela sur mon fils Joseph, double times double. Deux fois le double, qu'il mette ça sur mon garçon Joseph. Double times double. Joseph a ce que vous et moi, nous n'avons pas. Joseph Branham a ce que les prédicateurs du message n'ont pas. Joseph Branham a ce que les pasteurs du message n'ont pas. Peu importe leur grandeur, leur nom, leur renommée. Joseph a ce qu'ils n'ont pas. Et si les prédicateurs pouvaient réfléchir comme ça, quand il voit Joseph se lever et dire aux gens d'écouter les bancs, il devrait venir avec humilité et dire, faisons ce que ce monsieur dit. Il doit posséder des choses que nous n'avons pas. C'est comme ça que nous devrions réfléchir. C'est comme ça que nous devrions... Donc, nous ne nous mettons pas sur le même piédestal que lui en disant, non, on est pareil. On n'est pas pareil. Il est notre leader. Et il nous dit donc d'écouter les bandes et de les écouter par-dessus tout. Le monsieur a les plans. Il a ce que les prédicateurs n'ont pas. Il a ce que les pasteurs n'ont pas. C'est pourquoi je veux encore ici, à travers cette vidéo, vous dire d'avoir confiance en Frère Joseph. De lui faire confiance et de le suivre sans poser des questions. Et de faire exactement ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il nous commande de faire, faisons-le. Comme lorsque les Égyptiens sont allés vers Pharaon. Oh, nous allons mourir, on a faim. Les gars, là, n'avaient pas de révélation. C'est Joseph qui était venu avec la solution. Pharaon a dit, ah, mais vous êtes distrait. Vous venez me déranger si vous avez faim. Vous avez faim. Quand vous avez faim, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Pharaon leur a dit, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Je ne suis pas Pharaon. Mais je vous dis ici, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Et dites cela à quelqu'un. Faites ce que Joseph commande de faire. Le problème avec nous, les ministres, c'est le manque d'humilité. Et c'est le manque d'humilité là qui a fait que les frères de Joseph le vendirent. Donc je disais que, tantôt, pour ne pas sortir du sujet, que la comparaison qui a été faite là, entre les lettres de frère Joseph Branham et les lettres de Paul, j'ai dit bien, c'est une bêtise. Je l'ai dit samedi dernier, je le répète encore aujourd'hui, cette comparaison est une bêtise. Écoutez bien ce que je vais dire. Autant je crois que les lettres de frère Joseph sont la parole, autant j'ai confiance dans les lettres de frère Joseph et dans chaque mot qu'il dit, autant je ne suis pas prêt à comparer ces lettres-ci aux lettres de Paul. Quelle en est la raison? Nous avons vu samedi dernier que les lettres de Joseph Branham, en fait, il s'agit des préliminaires. Les lettres de Joseph Branham que nous avons aujourd'hui, ce sont des préliminaires que Joseph aurait fait du haut de la chair du Branham Tabernacle si le tabernacle était ouvert. Le tabernacle n'étant pas encore ouvert, étant fermé, Joseph Branham s'est décidé de nous envoyer des lettres. C'est pourquoi vous verrez que ces lettres-là sont toujours accompagnées d'une bande à écouter.
Et ces lettres-là, donc, viennent pour introduire la bande. Ces lettres-là sont des préliminaires qui accompagnent la bande que nous allons écouter. La lettre vient le samedi, la bande aussi, et nous allons écouter la bande le lendemain, alors que lui, il a dit qu'on puisse se rassembler pour écouter. Et si vous ne me croyez pas, prenez simplement sa lettre, je vais vous le dire, sa lettre du 22 octobre, et vous allez voir à partir de la question 5 qu'on lui a posée. Les gens disent que vous estimez que si les gens n'écoutent pas les services du Branham Tabernacle en direct, ils ne font pas partie de l'épouse. Joseph Branham a dit, je n'ai jamais dit cela ou même pensé cela, mes frères et sœurs. Quiconque dira une telle chose est dans l'erreur. Et nous insistons dessus. Quiconque dira une telle chose est dans l'erreur. Que non, si vous n'écoutez pas la même bande avec les gens de Jeffersonville, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas l'épouse. Joseph dit que celui qui déclare une telle chose est dans l'erreur. Alors qu'il y a des gens qui ont déclaré cela. Des gens même qui suivent Joseph. Ils ont déclaré cela. Et le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous ne savons même plus nous repentir. Nous voyons le prophète corriger ces choses et nous avançons simplement. Nous ne repentons même pas. C'est inquiétant. Alors que William Branham a dit, dans l'exposé des âges de l'Église, que le zèle de cet âge, le zèle de cet âge, c'est de dire j'ai tort. C'est pourquoi quelque part, je me réjouis de la formation que j'ai eue dans le passé. Je ne vais pas cracher sur tout ce qui m'a été enseigné dans le passé, parce que tout ce qui m'a été enseigné dans le passé, tout n'était pas faux. Car des choses qui m'ont été enseignées dans le passé, de ces choses-là, certaines m'ont maintenu jusqu'à ce que je saisisse la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui. Nous ne devons pas cracher sur la loi. Car Paul a même dit que la loi a été pour lui un pédagogue. La loi fut pour lui un pédagogue. Donc, je ne vais pas cracher sur ce que j'ai appris hier. Mais je dois plutôt prendre dans ce que j'ai appris hier, prendre ce qui peut m'aider pour avancer dans ce que je vois et comprends maintenant. Et quand les gens n'ont pas d'assises dans la parole, ils vont aller raconter tout et rien et faire du n'importe quoi. Donc, Joseph a dit que c'est lui qui dit que si vous n'écoutez pas la même bande avec les gens de Jeffersonville à la même heure, n'est pas l'épouse. Joseph dit, c'est lui qui dit cela est dans l'erreur. Et ce n'est pas la première fois que Joseph Branham le dit. Si on peut remonter dans mon souvenir, là où, dans mon souvenir, je me souviens que Joseph l'a dit le 3 septembre 2017. Il l'a dit. Donc Joseph n'a jamais cru ça. Autant il croit au fait d'écouter la même bande au même moment parce que c'est lui qui invite les gens à le faire. Autant il croit que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes. Tant que vous écoutez les bandes, c'est la chose la plus importante. Et je vais faire cette déclaration. Nous n'avons pas reçu la mission d'aller convaincre les gens d'écouter la même bande au même moment. Mais notre travail, notre commission, la commission que nous partageons avec Joseph Branham, c'est celle d'amener les gens à écouter les bandes et à les écouter par-dessus tout. Car il a dit ma commission et votre commission. C'est d'amener les gens à écouter les bandes-là et à les écouter par-dessus tout. C'est celle-là notre commission. Nous devons amener les gens à écouter les bandes et à les écouter par-dessus tout. C'est la chose la plus importante. Il a dit, en tant que pasteur du Branham Tabernacle, je me sens conduit à passer les bandes de Frère Branham. Je crois que cette voie est la seule chose qui unira l'épouse. Je crois que cette voie est la seule chose qui unira l'épouse. Frère Joseph continue dans sa réponse, il dit, comme je l'ai dit plus tôt, je crois que tout ce qui est sur les bandes est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je suis en train de lire au bon endroit? Non, je ne suis pas en train de lire au bon endroit. Dieu a permis que je lise cette partie-là, il sait pourquoi. En fait, c'est la question numéro 4. Croyez-vous que les ministres devraient arrêter de prêcher? Frère Joseph dit, non. Je n'ai jamais dit cela. Et je ne crois pas cela non plus. La parole nous dit, et Frère Branham a été très clair à ce sujet dans les messages sur les questions et réponses, que les ministres doivent continuer. Qui a dit ça? C'est Joseph Branham, notre leader. Il a dit que les ministres doivent continuer. Il dit, je me sens simplement conduit pour mon église à faire une présentation rapide, virgule, ou par lettre
en ce moment. Où parlait-on en ce moment? Pourquoi parlait-on en ce moment? Parce que le tabernacle est fermé. C'est pourquoi il fait la présentation rapide par lettre. Or, c'est les lettres-là qu'on a comparées aux lettres de Paul. Et samedi dernier, nous avions dit ceci. Quand Joseph écrit ces lettres introduisent William Branham à la chair. Les lettres de Paul introduisaient qui à la chair? Les lettres de Paul introduisaient qui à la chair? Donc, il y a des comparaisons qu'il faut éviter de faire. Quand dit-on, comparaison n'est pas raison. Des comparaisons qu'il faut éviter de faire. Parce que je vais vous dire ceci. Autant ces lettres de Frère Joseph sont la parole, autant je crois dans ces lettres, autant nous les lisons, nous commentons, nous communions autour de ces lettres. Mais vous devez savoir ceci. Nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. Si ce que je dis est faux, corrigez-moi. Nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Nous serons jugés par quoi? Par quoi serons-nous jugés? Les frères de l'autre côté ont dit quoi, William Branham? William Branham a dit, j'ai prêché mot pour mot comme Paul. Il dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Qu'est-ce que les frères lui ont dit? Nous nous reposons sur cela. Sur quoi? Sur ce que William Branham a enseigné. Nous nous reposons sur cela. Et Joseph Branham le sait très bien. Il l'a tellement bien compris que c'est la raison pour laquelle il veille à ce que ce soit William Branham que nous écoutions. Par-dessus tout. Vous verrez que dans toutes les lettres de Frère Joseph, qu'est-ce que Joseph fait? Tout ce qu'il fait, c'est créer en nous la confiance, comme nous allons le lire. Dans chaque mot qui a été prononcé par William Branham. Dans chaque mot. Parce que nous serons jugés par ce que William Branham a dit. De même que ceux de Paul seront jugés par ce que Paul a dit dans ses lettres. Nous serons jugés par ce que William Branham a dit sur les bandes. Et William Branham a fait la comparaison, une comparaison entre ces bandes et les lettres de Paul. C'est pourquoi il a dit, j'ai prêché mot pour mot comme Paul. J'ai même envie de dire que s'il n'y avait pas eu Paul, il n'y aurait pas eu de William Branham. Parce que qu'est-ce que William Branham est venu faire? William Branham est venu s'appuyer sur la fondation établie par Paul. Paul est la fondation sur laquelle William Branham a construit. Paul est la fondation sur laquelle William Branham a construit. C'est la raison pour laquelle Joseph Branham s'évertue à nous amener à écouter les bandes et à les écouter par-dessus tout. Et comme il a dit, ces lettres régulent la circulation. Vous savez, quand le diable a tenté Jésus, écoutez attentivement, quand le diable a tenté Jésus, la Bible dit, hein, Matthieu 4, vérifiez cela. Comme parfois beaucoup d'entre nous ne font pas une lecture informationnelle, c'est pourquoi les choses passent par-dessus la tête. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit avec E majuscule, mais écoutez bien. L'Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Ah! Donc l'Esprit, tu amènes Jésus dans le désert pour que le diable le tente. Oui, oui. L'Esprit a dit à Jésus, je t'amène dans le désert, le diable va te tenter. L'Esprit a amené Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, le diable a parlé. Maintenant, écoutez ceci. Au verset 5, il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte virgule, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Vous avez remarqué ça? La Bible dit que le diable le transporta et le plaça. Le diable le transporta dans la ville sainte virgule, le plaça au haut du temple. Le diable a transporté la parole faite chair dans la ville et a placé la parole faite chair du haut du temple. Ensuite, le diable lui a maintenant dit ce qu'il devait faire. Jésus, la parole faite chair, s'est laissé transporter par le diable, mais il n'a pas fait ce que le diable lui a dit. Voilà la différence. Quand je méditais, j'ai pensé, c'est comme ça que nous aussi nous faisons. Le diable vient, il prend Joseph, il l'amène quelque part. Oh, Joseph est ceci. Oh, Joseph est cela. Joseph a écrit plus de lettres. Joseph est maintenant. Joseph est maintenant. Et Joseph est au courant de ça. Mais ce que nous lui disons de faire là, il ne fait pas. C'est pourquoi nous le voyons revenir avec des lettres pour commencer à corriger. Corriger, 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 frapper. Donc, vous avez le droit de penser ce à quoi vous pensez, ce qui vous passe par l'esprit, la tête, vous avez le droit de penser à ça. Oh, Joseph fait ci. Oh, Joseph fait ça. Oh, Joseph maintenant. Oh, Joseph, vous avez le droit. Mais Joseph, s'il ne se reconnaît pas dedans, s'il sait que ce n'est pas la parole, il va corriger ça. Oui, oui, le diable a transporté Jésus dans la ville et l'a placé du haut du temple. Et lui a dit, maintenant saute. Jésus s'est laissé transporter. Il s'est laissé être placé là, du haut du temple. Mais quand le diable lui a dit saute, il a dit non, 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 il est aussi écrit. Et il est aussi écrit, là, c'est les lettres que vous voyez Joseph dire là. S'ils disent que non, vous n'êtes pas l'époux, si vous n'écoutez pas la même bande au moment, si celui-là, il est dans l'erreur. Et si on vous a dit que non, n'allez plus à l'église, dit, je n'ai pas dit ça. J'ai toujours, j'ai une église, c'est juste qu'il y a des travaux. Ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons faire attention parce que parfois, nous allons laisser notre matrice à la disposition du diable. Il va commencer à nous faire voyager pour faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi dans le passé, nous avons parlé de Luther qui a gardé sa tête au-dessus du fanatisme qui a entouré son réveil. Oh, qui a créé ce fanatisme? Des gens qui croyaient en lui, des gens qui le suivaient. Il y aura toujours des gens qui suivront un leader pour créer le fanatisme autour de lui. Mais nous devons faire attention. Ne faisons pas partie de ceux qui créent ce fanatisme-là autour du leader de l'heure, autour du prophète. Ne soyons pas du nombre de ceux-là. Et malheureusement, il y a des gens qui ont une disposition à croire au mensonge. Il y a des gens qui sont disposés à croire au mensonge. Il y a des gens qui sont disposés à laisser des faussetés germer en eux. Et au lieu de garder ces faussetés-là pour eux, ils propagent ça et des gens à l'esprit faible aussi tombe là-dedans parce que c'est tellement bon, c'est tellement agréable à l'oreille. C'est agréable à lire. Joseph Branham a écrit plus de lettres que Paul. Ouais, ouais. Mais nous ne réalisons pas la portée d'une telle déclaration. Nous ne réalisons pas la portée d'une telle déclaration. Une déclaration qui va induire des innocents en erreur. Joseph garde sa tête au-dessus du fanatisme qu'on essaie de créer autour de lui. Ah oui, ah oui, je répète, nous serons jugés par ce que William Branham a dit. Nous serons jugés par les bandes. Car William Branham a dit, aujourd'hui vous entendez ma voix ici sur la bande magnétique. Il dit de l'autre côté, vous l'entendrez sur la bande éternelle de Dieu. C'est écrit, c'est comme ça dans les bandes. C'est comme ça dans les bandes. Nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. Ne trouvez pas cela de sacrilège. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. Et Joseph Branham nous l'a dit, nous serons jugés par ce que ce messager-là, William Branham, a dit. Quand Paul écrivait, il n'introduisait personne à la chair.
Quand Joseph écrit, il introduit William Branham à la chaire. Voilà. Voilà la différence. Vous devez retenir ces choses-là parce qu'on doit corriger, on doit frapper ces esprits-là. Nous devons faire ce que Joseph Branham a dit. Qu'est-ce que Joseph Branham a dit dans sa lettre du 29 octobre, la lettre qui a précédé celle-ci? Il a dit quoi? Il a dit, nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes, moins que tu as choisi et établi pour veiller sur tes troupeaux, qui aiment ce message de tout leur cœur. Mais Père, il manque de placer ta voix confirmée sur bande devant ces troupeaux. Il manque de leur dire que ceci, c'est le message d'un seul homme et que tu as choisi l'homme pour conduire ton épouse. Il manque de leur dire que ta voix est la seule voix qui unira et amènera ton épouse à la perfection. Joseph a dit ceci. Il a dit, je dois crier contre elle, crier contre tout et tous qui sont contre le fait de passer les membres dans leurs églises, crier contre leur travail, crier contre leur église, crier contre leurs prophètes, crier contre leurs prédicateurs, crier contre les prêtres. Je dois crier contre tout cela. Je dois crier contre cela. Car seule ta parole prononcée par ton prophète peut nous rassembler. Il dit, je dois crier contre cela, car seule ta parole prononcée par ton prophète, quel prophète William Branham, peut nous rassembler. C'est ce que William Branham a dit. Nous aussi, nous allons crier contre tout ce qu'on essaie de greffer au programme de Dieu. Nous allons crier contre tout cela. Tout ce qui est susceptible de jeter le problème sur la vision, sur le programme de Dieu, nous allons crier contre cela. Quand c'est faux, c'est faux. Ce genre de déclaration-là, oh, Joseph Branham a déjà écrit plus de lettres que Paul, ceci, cela. Vous essayez d'induire les gens en erreur. Ce genre de déclaration-là, vous amenez ça devant l'Urim et le Thummim, les lampes ne vont pas s'allumer. Les lumières ne vont pas s'allumer. Les lumières ne vont pas s'allumer. Le pectoral va rester là, plat. Voilà. Les lumières ne vont pas s'allumer. C'est pourquoi donc nous crions contre cela. Nous voulons rester avec l'enseignement qui est sur les bancs. Nous voulons rester avec ce que William Branham a dit et c'est ce que nous enseigne Joseph Branham. Nous ne voulons dévier ni à gauche ni à droite. On a déjà souffert de ça depuis des années. On ne veut plus subir ça aujourd'hui. On n'en veut plus. Et William Branham a dit, c'est lui qui raisonne contre une ponctuation, avec une ponctuation de cette parole, de ce message est votre ennemi. Nous serons jugés par ce que William Branham a dit dans les bandes. Et nous entrerons sur la base de cela. De même que ceux de Paul entreront sur la base de ce que Paul a dit dans ses lettres. Et celui qui raisonne contre cela, dit William Branham, est notre ennemi. Et Paul a dit quoi? Il a dit ceci. Quand nous-mêmes, ou même un ange du ciel viendra pour dire autre chose que ce qu'on a dit là, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Veuillez m'excuser. Nous voulons rester avec l'enseignement qui est sur les bancs. On a déjà trop souffert. On ne veut plus souffrir davantage. Donc, toutes les déclarations là qui ne reflètent pas la parole, nous allons nous opposer à ça. Nous allons crier contre ça comme notre leader Joseph nous a montré. On doit crier contre toutes les faussetés là. C'est à ça aussi que servent les ministres. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on doive écarter les ministres. Je ne crois pas comme ça. Et Joseph Branham ne croit pas comme ça. Le ministre a son rôle. Le ministre a sa place. Je n'ai pas honte de le dire. Sortez le ministre de la parole. Et là, je ne dirai plus ça. Je dois prendre toute la parole. Et c'est l'obéissance à toute la parole qui donne droit au signe. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais revenir là-dessus pour dire avec insistance que nous serons jugés par ce que William Branham a dit. Nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. J'aime les lettres de Joseph Branham. Les lettres de Joseph Branham sont la parole. Et j'encourage les gens à les lire. Mais malgré ce fait, nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham. Or, les gens seront jugés par les lettres de Paul et par les bandes de William Branham.
Donc, ne comparez pas les lettres de Joseph Branham avec les lettres de Paul. C'est une erreur. Je répète que nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Branham, mais nous serons jugés par les bandes de William Branham et nous, les gens seront jugés par les lettres de Paul. Et William Branham a dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Voilà le niveau. Voilà le diapason. Voilà le diapason. Et quand Joseph Branham écrit, il introduit William Branham à la chaire. Or, quand Paul écrivait, il n'introduisait personne à la chaire. Et comme ceux de Paul entreront, ceux de William entreront. Pourquoi? Parce que William Branham a prêché mot pour mot comme Paul. Qui était Paul? La fondation sur laquelle William Branham a construit. Il était le messager modèle. De telle sorte qu'il devait chercher chaque fois le messager qui se rapprochait, dont le ministère se rapprochait de celui de Paul. C'est comme ça que nous avons obtenu les âges de l'Église. Il s'agit de la parole, il faut la connaître. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez la mal placer. Et si vous n'avez pas été appelé à manipuler ce feu-là, ne le faites pas. Même si vous êtes anointed boy, ne le faites pas. C'est interdit pour vous. Si vous n'êtes pas fait pour manipuler cela, ne le faites pas. Vous allez faire plus de mal que de bien. On doit le dire. On doit le dire. Même si les gens ne sont pas d'accord, on doit le dire. Si vous n'avez pas été appelé à manipuler ce feu, ne le faites pas. Si vous n'avez pas cet appel pour le faire, ne le faites pas. On était boy, donc on peut tous. Non, c'est faux. On ne peut pas tous. Sinon, je ferai ce que Joseph fait. Or, je ne peux pas faire ce que Joseph fait. Malgré le fait que je sois témoin et malgré le fait que je sois ministre, je ne peux pas faire ce que Joseph fait. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc, veillons à ce que nous disons aux gens. Faisons attention à ce que nous disons aux gens. Si nous croyons certaines choses, et que nous estimons que non, c'est comme ça que je crois, que je vois. Gardons ça pour nous. Gardons ça pour nous. On a posé la question, frère, madame, quel est ta doctrine? Quel est ta doctrine? Il dit, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'ajouter le pécheur à chaque église, à toute église qu'il voudra fréquenter. Frère, madame dit, pour ce qui est des doctrines, j'ai mes idées là-dessus, mais je les garde pour moi. C'est ce que dit William Branham. On lui a posé la question sur sa doctrine. Il dit, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'ajouter le pécheur à toute église qu'il voudra fréquenter. Mais pour ce qui est des doctrines, j'ai mes idées là-dessus, dit William Branham, il dit, mais je les garde pour moi. Donc nos idées sur les doctrines, gardons-les pour nous. Ne les mettons pas sur la place publique. Quelqu'un de faible va s'en emparer et ça va les garer. Et c'est comme ça que William Branham dit. Nous l'avons dit dans le passé, je vais le répéter. Frère Branham dit, nous disons ces choses, les gens pensent que c'est la blague. Frère Branham dit, si Satan ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, si Satan ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il a dit, il va vous pousser au fond du gouffre avec elle. Avec quoi? Avec la vérité. Si Satan ne peut pas t'empêcher de voir la vérité, il va te pousser au fond du gouffre avec la vérité. Donc, tu as déjà saisi la vérité. Tu as saisi la vision. Tu es dans les bandes. Satan dit, je ne l'ai pas eu. Il a vu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais le pousser au fond du gouffre avec les bandes. Je vous le dis, hein. Je vous le dis tout le temps. Je vous dis que beaucoup des gens dans les bandes, là, Satan est en train de leur faire ça, comme on faisait chez moi quand on était enfant. Satan est en train de les malmener là avec les bandes, dans la vision là. Pourquoi? Parce que les gens sont agités, les gens ne veulent pas étudier la parole, les gens ne veulent pas se calmer, ils prennent les émotions, ils mettent ça devant et ils confondent ça avec la parole. Et c'est une erreur. Je suis là, je préfère qu'on vienne me dire, frère, ce que tu as dit dans ton intervention là, c'est faux. Voilà les lettres de Joseph, c'est comme si, voilà, c'est ça.
Moi, je suis là, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas grand-chose. Vous avez suivi mes interventions avec Frère Christian du Texas. Il y a des questions, quand il me les pose, je lui dis, je ne connais pas, je ne peux pas répondre. Donc, je n'ai pas la science infuse. Je suis pour qu'on vienne me dire ce que tu as dit ici, ce n'est pas vrai. Je serai assez chrétien, quand on me prouvera cela par la parole, je serai assez chrétien pour m'humilier et dire, vous avez raison. Mais je répète encore, nous ne serons pas jugés par les lettres de Joseph Marion Branham. Nous serons jugés par ce qui est dit sur les bandes. C'est William Branham qui l'a dit et Joseph Branham nous le dit tout le temps dans ses lettres. C'est pourquoi il nous supplie d'écouter les bandes-là. C'est pourquoi il a dit, ou encouragez votre pasteur à passer une bande, car en le faisant, vous serez en train d'écouter la voix même qui vous présentera Jésus-Christ et nous reviendrons ensemble sur la terre pour passer l'éternité ensemble. Il s'adressait à qui? Aux gens qui n'écoutent pas la même bande que lui et aux gens qui ne lisent pas ses lettres, mais qui écoutent quand même les bandes. S'ils écoutent les bandes malgré tout, ils seront en train d'écouter la voix-là qui va les présenter à Jésus-Christ. Mais comment la voix-là? Parce qu'ils auront écouté les bandes, n'importe quelle bande. Comment la voix-là peut présenter à Jésus-Christ des gens qui n'ont jamais lu les lettres de Joseph? Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pour encore dire que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes. Et les bandes-là, c'est comparable aux lettres de Paul. Et comme ceux de Paul entreront pour avoir lu et cru les lettres de Paul, ceux de William Branham entreront pour avoir cru tout ce qui est dit dans les bandes, chaque mot. Les frères de l'autre côté se reposent sur chaque mot. Oui, nous nous reposons sur cela. Tu entreras et nous entrerons avec toi. Les frères de l'autre côté se reposent sur chaque mot qui a été prononcé sur bande. Ils ne reposent pas sur les lettres de Joseph Branham. Allez dire que j'ai fait des déclarations, c'est du sacrilège. Allez-y. Mais venez me prouver le contraire. Donc il était important qu'on revienne là-dessus pour river encore le clou, frapper ça. Parce que ça, c'est un petit esprit qui est encore sorti du puits de l'abîme là, qui est sorti là, qui voulait encore venir aliéner les enfants de Dieu. Ne détournez jamais vos regards des bandes. Ne détournez jamais votre foi de l'enseignement qui est sur les bandes. Ne détournez jamais vos oreilles de ce qu'il y a dans les bandes. Et les lettres de Joseph là ne font que dire ça. On veut maintenant détourner le regard un tout petit peu. Non. Si vous avez bien lu les lettres de Joseph, vous comprendrez que ces lettres-là n'ont d'objectif que de maintenir votre regard sur les bandes. Votre regard sur les bandes, vos oreilles sur chaque mot qui est sur les bandes. C'est l'objectif de ces lettres. Il a dit, je régule la circulation. Les lettres-là de Joseph Branham régulent la circulation pour vous pointer dans la direction qu'il faut. C'est ça, réguler la circulation. C'est ce qu'il dit. C'est le sage qui montre la lune. Au lieu de regarder à la lune, on s'arrête là au doigt. On dit, oh, le doigt du sage. Oh, le doigt du sage. Le doigt du sage, là, est maintenant plus long que le doigt de Paul. Le doigt du sage, là, maintenant, dépassé le doigt de Paul. Vous n'avez pas compris? Mais les lettres de Paul, c'est la lune. Les lettres de Paul, c'est la lune. Les bandes de William Branham, c'est la lune. Et le sage Joseph qui est là, avec son doigt, avec ses lettres, pointe vers la lune. Il régule la circulation. Et maintenant, nous, on vient là, regarder à la lune, regarder aux bandes, regarder aux lettres de Paul, regarder aux bandes. Au lieu de ça, maintenant, oh, le doigt de Joseph Branham dépasse maintenant le doigt de Paul. Oh, le doigt du sage dépasse maintenant le doigt de Paul. Tu n'as rien compris. Va t'asseoir. Tu n'as pas cet appel-là pour manipuler le feu. Reste calme. Reste calme. Tu n'as pas cet appel. Tu n'as pas cet appel. Tu es en train de faire monter la vache sur un arbre pour qu'elle aille brouter là-bas. Arrête ça. Au nom de l'écoute des bandes, au nom de notre bonne et toutes tes boys, tout ça. Arrêtons avec ça. Bref, vraiment, nous allons lire notre lettre. Hein? Ne vous découragez pas, on va lire notre... on va lire notre lettre tout de suite, maintenant même. Oh, que Dieu nous aide. Cette lettre est merveilleuse. Comme toutes les autres d'ailleurs, elle est tout simplement merveilleuse. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, merci d'être là. Vraiment, je voulais dire que Joseph Branham nous amène vraiment, parce que ça va aller dans la même direction. C'est pourquoi vous verrez que je suis revenu sur ce truc-là.
des lettres de Paul et des lettres de Joseph et tout ça. Vous allez voir que, c'est-à-dire que c'est Joseph Branham, finalement, qui est en train de nous amener à croire au prophète William Branham. Nous étions dans les églises hein, toutes ces années. Mais je ne peux pas dire qu'on avait vraiment cru au prophète. Parce que nous disions que nous avions cru au prophète, mais nous passions notre temps à faire plus confiance à nos pasteurs qu'au prophète William Branham. Est-ce que vous savez qu'il y a dans le milieu du message là, des gens qui déclarent que si Frère Branham dit quelque chose et que mon pasteur dit le contraire, je vais prendre ce que mon pasteur dit. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça? Savez-vous qu'il y a des gens qui croient comme ça, qui déclarent comme ça? Que si Frère Branham a dit quelque chose, mais je dois attendre ce que mon pasteur a dit. Et je prendrai ce que mon pasteur a dit. Et celui qui dit ça prétend être croyant du message. En fait, cette personne-là ne croit pas William Branham. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de la lettre d'aujourd'hui. De ce que Joseph Branham a dit dans cette lettre. Samedi 5 novembre 2022. Chère épouse, parole vierge. Je répète que vous avez lu la lettre et que vous l'avez comprise. Donc, en faisant ce que je fais, je ne suis pas en train de chercher à vous faire comprendre la lettre. 1. Je ne suis pas en train de vous interpréter la lettre. 2. Je ne suis pas en train de vous expliquer la lettre. 3. Nous sommes juste en train de communier autour de cette lettre et nous voulons insister sur certaines déclarations que le prophète a faites. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous lisent à la va-vite et ils passent. Et ils ne font pas ce qu'on appelle la lecture informationnelle pour voir le contenu d'information que le prophète nous a donné. Car ces lettres sont des concentrés d'éternité, ce sont des concentrés d'information. Chère épouse parole vierge, nous y sommes. Nous sommes arrivés, l'heure est arrivée. La balle s'est séparée de la semence. Nous avons reposé dans la présence du Fils pour mourir. Donc, nous nous reposons dans la présence du Fils pour mûrir. Nous resterons dans cette présence jusqu'à ce que notre petit groupe soit tellement mûr pour Christ que nous devenions du pain sur sa table. Grâce soit rendue à Dieu. Joseph continue, il dit. Ce message a confirmé Malachie 4, confirmé Luc 17, 30, confirmé Hébreux 13, 8, confirmé Jean 14, 12, confirmé Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des sceaux, les mystères de Dieu, la semence du serpent, le mariage et le divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. Oui, maman Mado, c'est la vérité. Il y a des gens qui disent ça, qui préfèrent croire leur pasteur, même si Frère Branham a dit quelque chose, hein, mais ils vont s'accrocher à ce que leur pasteur a dit, et ils disent qu'ils sont croyants du message. Donc nous allons maintenant voir que Joseph vraiment nous amène à croire au prophète. Comment croire au prophète? On continue, il dit, nous sommes vierges à l'égard de la parole. Nous ne pouvons et ne voulons pas toucher quoi que ce soit d'autre. Chaque message que nous écoutons est frais et nouveau. Une nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel. Mais il nous a prévenu qu'au temps de la fin, il y aurait deux esprits qui seraient tellement proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Ainsi, nous devons guetter cet esprit car il semblera être l'épouse même. Vous voyez, Joseph monte ici maintenant, cet esprit-là qui semble être l'épouse. Donc, il s'agit ici d'un esprit qui n'est pas en dehors du milieu du message. Il s'agit d'un esprit qui est au milieu de nous. Maintenant, est-ce que cet esprit croit au prophète? Parce que qu'est-ce que croire au prophète ou comment croire au prophète? Comment être certain que tu crois au prophète? Oh, c'est là que Joseph nous amène à croire au prophète. Remarquez, voyez combien cela paraît proche. Matthieu 24, 24 dit que les deux esprits dans les derniers jours, l'esprit de l'église des gens de l'église et l'esprit de l'épouse des gens de l'épouse,
seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. C'est proche à ce point-là. Frère Joseph dit, il a dit que l'esprit des gens de l'église et l'esprit des gens de l'épouse seraient si proches l'un de l'autre. Donc nous sommes dans le même message-là. Et dans le message-là, il y a des gens de l'église avec un esprit, et il y a des gens de l'épouse avec aussi un esprit. Cela signifierait donc que l'esprit des gens de l'église devrait dire qu'ils croient le message de l'heure pour que ce soit si proche. Vous voyez? L'esprit des gens de l'église, ce sont des gens qui sont dans le message, qui disent qu'ils croient le message. Voilà pourquoi c'est si proche. Ils disent qu'ils croient le message. Maintenant, quand on leur dit d'écouter les bandes, ça devient la troisième guerre mondiale. Oh, vous avez dit que vous croyez au message, non? Vous avez dit que vous croyez au message. Oui, on croit au message, mais vous ne voulez pas que, comme il dit souvent, que les Éphésiens 4 prêchent, que les Éphésiens 4 prêchent. On croit au message, mais vous ne voulez pas que les Éphésiens 4 prêchent. Quand quelqu'un vous dit ça, voilà quelqu'un qui a l'esprit, voilà quelqu'un qui a l'esprit, qui fait partie des gens de l'église. Il dit qu'il croit au message, mais quand on lui dit qu'on doit jouer les bandes et les écouter par-dessus, il dit non. Et les Éphésiens 4, 11. Et le quintuple ministère. Mais qui vous a dit qu'on fait ministère des bandes plus quintuple ministère? C'est une opération qui n'existe pas. Ministère des bandes plus Éphésiens 4, 11 ou plus quintuple ministère, c'est une opération qui n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Cette opération-là n'existe pas et ne doit pas exister. Pourquoi vous les additionnez? Pourquoi vous les mettez sur le même piédestal, sur le même pied d'égalité? Pourquoi? C'est quel esprit, c'est quelle inspiration ça? Vous dites à quelqu'un, écoute les bandes, oh non, mais et les Éphésiens 4, 11. Et conjonction de coordination, tu additionnes. Pourquoi tu les mets sur le même pied d'égalité? Mais tu as dit, tu crois le message, non? Si tu crois le message, tu n'aurais aucun mal à écouter les bandes. Parce que le message, c'est les bandes. Le ministère des bandes est ici. Le quintuple ministère est ici. Et peut-être même encore plus bas, là, on ne le voit même pas. On voit seulement, ça bouge un peu à côté ici. Comment vous les mettez comme ça, là? Chaque fois que vous dites à quelqu'un d'écouter les bandes, il te dit, et le quintuple ministère, voilà quelqu'un qui fait partie des gens de l'église avec l'esprit de l'église. Il est proche de l'épouse. Il dit qu'il croit au message, il est si proche, si proche. Ce ne seraient pas des méthodistes. Oh, Joseph, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les entrailles qui t'ont porté. Joseph dit, ce ne seraient pas des méthodistes, des baptistes, des presbytériens ou même des pentecôtistes. Ils sont tellement loin de la parole et ils rejettent même le message. Ceux-là rejettent le message. Donc, il ne s'agit pas de ceux-là. Il s'agit des gens qui disent qu'ils sont du message. Il s'agit des gens qui disent qu'ils croient au message. Oh, Joseph Branham, que Dieu te bénisse. Ceux-là, ils sont tellement loin de la parole et ils rejettent même le message. Aucun d'entre eux n'a un esprit qui se rapproche de celui de l'épouse. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tout ça. Aucun d'eux n'a un esprit qui se rapproche de celui de l'épouse. Mais qui est-ce qui a un esprit qui se rapproche de celui de l'épouse? Mais cette lettre extraordinaire. C'est qui a un esprit qui se rapproche de celui de l'épouse? Ouais. Satan a tenté, avec beaucoup de succès, d'être très trompeur. Même dès le commencement, il a simplement dit, certainement, disant ainsi à Ève d'utiliser son raisonnement et qu'elle devrait l'écouter lui aussi. Et pas seulement la parole. Il n'y a qu'une chose qui lui avait été ordonnée de faire, s'en tenir à la parole. S'en tenir à la parole. Les faits. Joseph nous donne les faits. Il dit, si vous avez une question, il doit y avoir une réponse. C'est ce que le prophète nous a dit. La réponse doit venir de la parole.
La parole ne vient qu'à un prophète. Le prophète est le seul interprète de la parole. Si un homme ou une femme, quel qu'il soit, vous donne une réponse, il faut que cela soit ce que le prophète a déjà dit. Et Joseph a souligné cela. Oh Seigneur, c'est pourquoi quand certains frères bien-aimés me posent des questions, comme un frère qui m'a posé une question hier, il m'a dit, j'ai déjà écrit au prophète. J'ai dit, frère, je ne vais pas dévancer le prophète. Et tu as bien fait d'écrire au prophète parce que c'est la chose à faire. Je ne suis pas un vendeur d'illusions pour que je vienne prétendre te dire ceci ou cela. Je ne saurais le faire. Et j'ai encouragé le frère à attendre la réponse du prophète. Il faut attendre la réponse du prophète. Il faut que nous soyons humbles pour le dire. Hier, on a fait ces choses-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Tout ce que nous faisons, c'est élever le ministère de l'heure. C'est encourager les gens à écouter les bandes. C'est tout. Tout est dans les bandes. Voulons-nous même vivre cela? Si un homme ou une femme, quel qu'il soit, vous donne une réponse, il faut que cela soit ce que le prophète a déjà dit. Il faut que ce soit ce que le prophète a déjà dit. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui viennent vous dire le contraire de ce que le prophète a dit, ils savent avec exactitude ce que le prophète a dit sur un sujet donné. Mais ils ont le toupet. Ils ont le toupet de venir dire le contraire de ce que le prophète a dit. Fuyez loin de cette personne comme on fuit la peste. Parce que voilà quelqu'un qui commence à jouer au ludo avec votre âme. Voilà quelqu'un qui a entrepris de jouer au ludo avec votre âme. Le prophète a dit quelque chose. Il l'a dit de manière claire, sans équivoque. Toi, tu viens dire aux gens de faire le contraire de ce que le prophète a dit. Voici l'esprit des gens de l'église. Excusez-moi, je ne veux pas entrer dans les histoires des gens, mais je voulais juste donner un exemple. Le prophète William Branham ne croit pas au mariage mixte. Et vous voyez un individu qui vient dire qu'un noir peut imposer une blanche et vice-versa. Alors que le prophète William Branham a été, on ne peut plus clair sur la question. Cet individu-là, quel qu'il soit, peu importe sa renommée ou la dimension, la portée de son ministère, fuyez loin de cet homme comme on fuit la peste. Voilà quelqu'un qui a entrepris de jouer au ludo avec votre âme. Et c'est pourquoi Joseph Branham nous a dit aujourd'hui dans sa lettre, si un homme ou une femme, quel qu'il soit, vous donne une réponse, il faut que cela soit ce que le prophète a déjà dit. S'il ne vous donne pas la réponse qu'il vous donne, si ce n'est pas ce que le prophète a déjà dit, voilà quelqu'un qui veut, qui a commencé à jouer au ludo avec votre âme. Fuyez cette personne-là, même s'il a ressuscité 1000 morts. Même si le feu sort de ses yeux, de tout son corps, fuyez loin de cet homme comme on fuit la peste. Voilà quelqu'un qui a entrepris de jouer au ludo avec votre âme. Voilà ce que Joseph appelait, ils font partie des gens de l'église, qui ont l'esprit de l'église. Ils sont si proches de l'épouse. Et de telles aventures, nous n'en voulons pas. Nous voulons rester avec l'enseignement qui est sur les bandes. C'est pourquoi nous disons que l'addition que les gens font, vous leur dites, non mais écoutez les bandes. Ils disent non, et le quintuple ministère. Pourquoi vous mettez la conjonction de coordination? Il n'y a pas d'addition entre le ministère des bandes et le quintuple ministère, ça ne s'additionne pas, ne les additionnez pas. Cette opération-là n'existe pas. Ministère des bandes plus Ephésiens 4, 11, c'est une opération qui n'existe pas. C'est le ministère des bandes, le ministère chef, le souverain berger, le top. Le ministère, quintuple ministère ici en bas. Et là où il est en bas là, William Branham a dit qu'il s'est égaré. Voilà, on doit dire les choses comme ça.
C'est quoi cette affaire de non, quintuple ministère demande plus quintuple ministère. L'opération n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Nous voulons écouter les bandes et les écouter par-dessus tout. Et si quelqu'un se dit qu'il est ministre, qu'il a été appelé, il est temps pour lui de chercher véritablement savoir pourquoi, à quoi il a été appelé. Et s'il entre dans son appel véritablement, il veillera à garder la voie du septième ange devant vous. Nous croyons que Dieu appelle des hommes. Mais leur rôle aujourd'hui, c'est de lever le ministère de l'heure et de dire aux gens que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes. Que le ministère que nous devons écouter, c'est la voix du septième ange, le ministère de l'heure. Si un ministre qui s'est dit appelé aujourd'hui vous amène vers ces histoires, vers autre chose que cela, fuyez-le. Fuyez-le. Oui, oui, il faut le fuir. Même si c'est moi, il faut me fuir. Si tout ce que je fais comme bruit, ce n'est pas pour vous amener à écouter les bandes, fuyez loin de moi. J'ai commencé à jouer au Ludo avec votre. Cela ne doit pas être leur interprétation, leur idée ou leur compréhension. Ils doivent appuyer leur réponse par la parole prononcée par le prophète confirmé de Dieu. Ce ne sont pas les mots du prophète plus quelque chose. Vous avez vu? Voilà. Ce ne sont pas les mots du prophète plus quelque chose. Point virgule. C'est simplement ce que le prophète a dit. Et je donne un grand amen à ça. C'est ça, croire au prophète. Voilà comment Joseph, avant que nous poursuivions, c'est ça, croire au prophète. C'est pourquoi j'ai dit que Joseph Branham est celui qui nous amène véritablement à croire au prophète. Et croire au prophète, c'est quoi? C'est s'attacher à chaque mot prononcé par le prophète et seulement par le prophète. Le reste, là, vous mettez de côté. Peu importe de qui ça vient. Et nous voulons être ici pour créer justement la confiance des gens. La confiance et l'enthousiasme des gens dans le prophète, dans le ministère des bons. C'est Joseph qui nous amène à croire au prophète. Joseph et Joseph seulement. Je vous dis que si on devait compter sur tous les ministres que vous connaissez là, ce n'est pas la peine. On a dénaturé le message depuis des années. On l'a dénaturé. On a dénaturé. On dit qu'on croit au prophète, mais on ajoute « mais ». On croit au prophète, mais. Moi aussi. On croit au prophète, mais. Joseph vient nous dire « on croit au prophète, on reste seulement avec le prophète et seulement avec ce que le prophète a dit. » Et il a bien dit. Ce ne sont pas les mots du prophète plus quelque chose. C'est simplement ce que le prophète a dit. Nous voulons seulement les mots du prophète. Nous voulons seulement et seulement les mots du prophète. C'est tout. Qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas, nous voulons seulement les mots du prophète. Et William Branham m'a dit, it's not how much you understand, it's how much you believe. Ça ne dépend pas de combien, c'est pas tant combien vous comprenez, c'est combien vous croyez. Est-ce que tu crois? Et Pierre le dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi. Et seulement toi qui as les paroles de la vie. Oh, que je comprenne, que je ne comprenne pas. J'ai au moins compris que les paroles de la vie, c'est toi qui les as. Donc, que je comprenne ce qui est dit sur les bandes ou pas, mais je sais une chose, que je serai jugé sur ce qui est dit dans les bandes. Donc, je reste avec ce qui est dit dans les bandes. C'est de ça dont il est question. Excusez-moi. Il dit, il y a maintenant deux écoles de pensée. 1. Vous devez croire chaque parole qui est sur les bandes, car il s'agit des plus importants messages que vous devez entendre. 2. Vous n'avez pas à croire chaque parole qui est sur les bandes. Et le ministère a maintenant les plus importants messages que vous devez entendre. Ils ont traduit ici par le ministère. Hein? Excusez-moi, mais si moi j'avais traduit ça, j'allais mettre ici le ministre. Hein? Je vais mettre là le ministre parce que quand on met le ministère là, je pense qu'il y a des choses qui passent là, on ne comprend pas ce qu'il dit. Le point 1, il dit, vous devez croire chaque parole qui est sur les bancs, car il s'agit des plus importants messages que vous devez entendre. Donc, ce sont les deux écoles de pensée. La deuxième école de pensée, c'est quoi? Vous n'avez pas à croire chaque parole qui est sur les bancs, virgule, et le ministre a maintenant les plus importants messages que vous devez entendre. Frère Joseph dit,
il y a beaucoup, beaucoup de variations dans la deuxième pensée. Vous entendez? Il y a beaucoup de variations dans la deuxième pensée. Le Saint-Esprit me conduira ou conduira mon pasteur à nous dire ce qui est et ce qui n'est pas la parole. La sorcellerie, c'est ça. C'est ça la sorcellerie. Nous avons besoin de plus que seulement ce que Frère Branham a dit sur bande. Non, 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 c'est faux. Il faut que le ministre explique ou décortique la parole. C'est faux! C'est ce qu'on a fait depuis des années. Il faut que le ministre, hein, ils ont traduit par le ministère, mais il s'agit du ministre. Il faut que le ministre explique ou décortique la parole. Sans le ministre, vous ne pouvez pas être l'épouse. Ça, c'est la deuxième école de pensée, là. Ça, c'est la deuxième école de pensée. Oh là là. Il y a bien d'autres divergences, mais c'est impossible de toutes les nommer. Alors, un prophète qui parle, il dit. Mais il n'y a aucune variation. Amen. Mais il n'y a aucune variation ou divergence dans la première pensée. C'est simplement deux points. Croire chaque parole. Bienvenue parmi nous, frère Marcel. Dans la première école de pensée, il n'y a aucune variation. Là-bas, il ne s'agit que... Là-bas, le mot d'ordre est simple. Croire chaque parole, c'est tout. Mais dans la deuxième école de pensée, il y a beaucoup, beaucoup et même beaucoup trop de variations. Et nous ne voulons pas de ces variations-là. Excusez-moi. Nous ne voulons pas des variations qui existent dans la deuxième école de pensée. Nous voulons la première école de pensée. Et là, Frère Joseph dit que la première école de pensée, c'est simple. Le principe est simple. Croire chaque parole. Pourquoi j'ai dit Joseph Branham, c'est lui qui nous amène vraiment à croire en William Branham. C'est lui qui nous amène vraiment à croire au prophète. Et il nous enseigne, il nous montre comment croire au prophète. Comment croire au prophète? Nous en tenir à ce que a dit William Branham. Mot pour mot. Sans poser des questions. Ces questions, il y a, les réponses viendront de là, de l'intérieur de ces pentes. Et nous ne croyons pas à l'opération, à cette addition de ministère de bande plus Éphésiens 4, 11. Nous avons dit, l'opération là n'existe pas. Ça n'existe pas. Doesn't exist. Ça n'existe pas. Les multiplier, c'est les mettre sur le même piédestal, au même pied d'égalité. Et ça, nous ne croyons pas. Il est vrai que nous croyons que Dieu appelle des hommes, qu'il suscite des hommes dans le ministère, mais nous ne sommes pas prêts à mettre ces hommes-là au même niveau que le ministère des bandes. Nous ne sommes pas prêts à mettre le quintuple ministère Éphésiens 4 au même niveau que le ministère des bandes. Jamais de la vie. Parce que le quintuple ministère, dit William Branham, exposé déjà de l'Église, page 243, dit que ce ministère n'a pas suffi. Ce ministère décrit dans Éphésiens 4, 11. Pourquoi? Il dit simplement parce que ce ministère-là s'égare. J'ai toujours dit que ceux qui ont traduit l'exposé en anglais ont été gentils en disant qu'ils dévient. Mais le verbe utilisé en anglais, c'est go astray. Il y a des gens qui sont connectés ici qui parlent anglais. To go astray, ça veut dire quoi? Go astray. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont connectés ici qui parlent anglais. Go astray. C'est le verbe que Frère Branham a utilisé dans l'exposé de l'Église en anglais. Là où il parle de ça. Go astray, ça veut dire quoi? S'égarer. C'est s'égarer. Quand une brebis s'égare, on ne dit pas que la brebis a dévié. Quand une brebis se perd, on ne dit pas que la brebis a dévié. On dit que la brebis s'est égarée. Et ici, nous sommes maintenant dans un cas de figure où ce ne sont pas, c'est plus seulement les brebis qui s'égarent, mais même les conducteurs qui sont le quintuple ministère. Tout le monde s'égare, et les laïcs et les brebis. Raison pour laquelle nous tous étant sur le même pied d'égalité, c'est alors et alors qu'il faut un berger d'une autre nature, un berger d'une dimension
extra-humaine pour venir nous sortir de cet égarement. Et les conducteurs et les brebis. Et ce berger-là, c'est celui que William Branham a appelé le souverain berger. Et ce souverain berger fait son entrée au travers du ministère des sept hommes. Le premier homme, c'est Paul. Le deuxième, c'est Irénée. Ainsi de suite. Et le septième, c'est William Branham. Et comment fait-il son entrée à travers William Branham? À travers le ministère que nous avons aujourd'hui, le ministère des bandes. À travers le ministère des bandes. Ce n'est que le ministère des bandes qui va nous sortir tous de l'égarement. C'est le ministère des bandes, la voix dans les bandes qui va sortir, et les prédicateurs, et les brebis, de l'égarement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes égarés. La preuve est là. Regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Désormais, c'est la religion des déclarations. C'est le buzz. Aujourd'hui, nous assistons à ce que j'appelle la course, une course à l'égarement. Les ministres se rivalisent. Qui va faire la meilleure déclaration? Qui va susciter le buzz dans le monde ou le milieu du message? Qui va faire cette déclaration-là? C'est devenu des déclarations. Tel fait une déclaration, c'est le buzz. On parle tout sur les réseaux sociaux. Oh, tel a dit ceci. Sinon, tu fais une déclaration. C'est devenu une course à l'égarement, un défi de déclaration, buzz sur buzz. Et c'est la preuve de l'égarement, on s'est égaré. Parce que ce que les gens disent là, c'est pas ce que William Branham a dit, c'est pourquoi ça crée le buzz. Et pendant ce temps, l'épouse est dans le lieu secret en train d'appuyer sur les tubes pour écouter son prophète lui parler. C'est le buzz. Et pourquoi y a-t-il ce buzz-là? Pourquoi ces déclarations tonitruantes, tapageuses? Mais c'est parce que le ministère des bandes a déjà avalé les bâtons de tous ces prédicateurs-là. Le ministère des bandes a avalé tous leurs bâtons. Ils n'ont plus rien. Les petits sortilèges qu'ils faisaient devant Pharaon, là, ils ne peuvent plus faire. Le ministère des bandes a arraché tous leurs bâtons. Il ne leur reste plus que les déclarations, le buzz. Une course à l'égarement. C'est la preuve de l'égarement. Il faut un ministère supérieur, un berger à la nature extra-humaine pour entrer en scène et venir nous sortir de l'égarement dans lequel nous sommes, et les brebis et les conducteurs, tous égarés. Tous égarés. C'est pourquoi nous devons nous asseoir, et les conducteurs, les pasteurs, et les brebis, nous devons tous nous asseoir, appuyer sur lecture et écouter William Branham nous prêcher son message. Oui, oui, j'ai dit ça. En tant que croyant de ce message du temps de la fin, vous devez vous poser ces questions. Et, croyez-vous que ce que le prophète dit sur bande est votre absolu, ou croyez-vous que c'est plutôt le Saint-Esprit à travers vous ou votre pasteur? Croyez-vous que les cinq ministères ont les plus importants messages que l'épouse a besoin d'entendre, ou est-ce plutôt le message qu'il y a sur les bandes? À vous de répondre aux questions. Frère Joseph dit, si votre pasteur, prédicateur, docteur, évangéliste ou prophète ne vous dit pas que les plus importants messages que vous devez écouter sont sur les bandes, il est faux. Et il s'agit de l'esprit qui, le prophète nous en a prévenu, devait venir. Ah, mon frère Yorick, je n'ai déclaré la guerre à personne. Je n'ai déclaré la guerre à personne. Je ne fais que dire ce que le prophète a dit. On va faire comment, mon frère? Oh là là! Si votre pasteur, prédicateur, docteur, évangéliste ou prophète ne vous dit pas que les plus importants messages que vous devez écouter sont sur les bandes, il est faux. Aujourd'hui, il est facile de reconnaître les faux prédicateurs. Joseph nous a simplifié les choses aujourd'hui. Nous pouvons facilement reconnaître un faux prédicateur. Un faux prédicateur, c'est celui qui ne vous dit pas que le plus important, c'est d'écouter les bandes. C'est celui qui n'élève pas le ministère de l'heure devant vous. Voilà un faux prédicateur. Tous ces gens qui refusent d'écouter les bandes là, qui disent des grands pasteurs, tout ça, c'est des faux prédicateurs. C'est pas moi qui ai dit, hein. Voilà ça ici. C'est pas moi. Pardon. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça.
S'il dit que ces messages sont les plus importants que vous puissiez entendre, mais qu'il refuse toujours de passer les bandes dans son église, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. C'est ça que les prédicateurs vous diront toujours, non, nous croyons écoute des bandes. Non, on n'a rien de mal contre l'écoute des bandes. Mais pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi vous ne les faites pas passer? Joseph Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Joseph Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Vous allez voir, ils vont toujours parler en bien du ministère des bandes. Ils vont toujours parler en bien des bandes. Mais pourquoi vous ne les jouez pas? Joseph Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. S'il croyait véritablement que d'écouter les bandes est la chose la plus importante qu'on puisse faire, alors sa priorité serait de passer les bandes et il prêcherait quand il se sentirait conduit à le faire. Vous avez entendu ça? C'est pourquoi Joseph dit que je n'ai jamais dit que les ministres ne doivent plus prêcher. Joseph Branham n'est pas contre le fait que les ministres prêchent. Mais ce que Joseph Branham ne veut pas, c'est que le ministre prenne le dessus sur William Branham. Or, William Branham doit être la principale chose, la chose principale. Et Joseph Branham dit, s'il croyait véritablement que d'écouter les bandes est la chose la plus importante qu'on puisse faire, alors, donc la priorité du ministre, il dit, alors sa priorité serait de passer les bandes. Donc, tout ministre qui croit véritablement que d'écouter les bandes est la chose la plus importante, n'aura qu'une seule priorité. Ce ministre n'aura qu'une seule priorité, c'est de passer les bandes. Et Joseph dit, et ce ministre prêcherait quand il se sent conduit. C'est ça. Si le ministre se sent conduit, il dit, bon, aujourd'hui, ce soir, je pense que j'ai une petite exhortation sur le cœur, je vais parler de ça. Le ministre vient, il a le droit, c'est un ministre, il va se mettre à parler. Mais bien qu'il parle comme ça, on sait que la priorité pour lui, c'est de passer les bandes. Mais quand il se sent conduit, il peut venir prêcher, apporter une exhortation, apporter un petit message pour encourager les gens. Mais quand la conduite du ministre devient une conduite perpétuelle, mercredi, tu es conduit à prêcher. Vendredi, tu es conduit à prêcher. Dimanche, tu es conduit à prêcher. Mercredi encore, tu es conduit. Quand ta conduite devient perpétuelle, voilà Jésus avec les pieds sales dans un coin chez Simon le pharisien. Le ministère des bandes a été logé quelque part dans un coin. Oui, oui. Le ministère des bandes a été logé quelque part dans un coin. Et c'est regrettable. Quand la conduite, c'est ce qu'on a assisté à pendant toutes ces années, la conduite du ministre est devenue perpétuelle. Une année entière, 12 mois, William Branham n'a même pas prêché une seule fois dans son église. Pourquoi? Parce que la conduite du ministre est maintenant perpétuelle. Il prêche tout le temps. Ta priorité, ce n'est pas le ministère des bandes. Ça, il y a un problème. Frère Joseph donne un exemple. Nous sommes en train de terminer. Il dit, un exemple. Si je vous disais que de boire de l'eau pure, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre santé. Et qu'il n'y a qu'une seule source d'eau potable pure, confirmée et certifiée. Mais lorsque vous venez souper chez moi, je ne vous sers pas cette eau certifiée. Je vous dis, vous pouvez boire cette eau chez vous, mais chez moi, vous devez boire ce que je vous donne. Si cette eau est la meilleure chose que je puisse vous donner pour votre santé, qu'elle vous donnera la vie, alors la première chose que je vais vous donner quand vous entrez chez moi, c'est cette eau potable pure. C'est cette eau potable pure. Suis-je dans l'erreur en disant, passez les bandes dans vos églises. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre assemblée. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, suis-je dans l'erreur en disant, passez les bandes dans vos églises. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre assemblée, c'est ainsi dit le Seigneur. Où sont-ils dans l'erreur en disant, non, Joseph Branham, tu n'es pas dans l'erreur. Où sont-ils dans l'erreur en disant, c'est faux de passer les bandes dans l'église. Frère Branham n'a jamais dit de passer les bandes dans votre église. Nous disons aux gens de passer les bandes chez eux, dans leur voiture tout le temps. Mais à l'église, ils doivent m'écouter moi. Non, Joseph Branham, tu n'es pas dans l'erreur quand tu nous dis de passer les bandes dans nos églises. Et que c'est la meilleure chose que nous puissions faire
pour notre assemblée. C'est un ainsi dit le Seigneur. Nous croyons que c'est un ainsi dit le Seigneur et nous restons avec ça. Vous avez lu la lettre là? Vous l'avez bien lu? Vous voyez, nous sommes à la fin. Joseph Graham dit, suis-je dans l'erreur en disant, c'est faux de passer les bancs dans l'église, c'est faux de passer les bancs dans l'église, Frère Branham n'a jamais dit de passer les bancs dans votre église. Nous disons aux gens de passer les bancs chez eux. Non, c'est plus haut. Suis-je dans l'erreur en disant, passer les bancs dans vos églises, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre assemblée, c'est ainsi dit le Seigneur. Ou bien c'est eux qui sont dans l'erreur quand ils disent, c'est faux de passer les bancs dans l'église. Est-ce que vous avez vu ce que Joseph a fait là? Joseph s'est mis seul d'un côté et Joseph a placé le quintuple ministère de l'autre côté. Vous avez vu ça dans la lettre là? Joseph nous dit clairement que c'est lui qui est en train de dire aux gens de passer les bandes. Joseph nous dit que c'est lui qui est en train de dire que d'écouter les bandes, c'est un ainsi dit le Seigneur. Joseph nous dit que c'est ce que moi j'ai dit. Il dit, et regardez ce qu'eux ils sont en train de dire. Est-ce que vous avez vu ça? C'est écrit là. C'est écrit là, lisez bien. Joseph s'est mis seul d'un côté. Et il a placé tous les prédicateurs que vous connaissez de l'autre. Tous. Tous. Lisez. Je vous dis de lire la lettre, la réaliser, allez la lire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est Joseph Branham qui nous amène vraiment à croire au prophète. Car la commission que l'ange a donnée au prophète était laquelle? Amène les gens à te croire. Mais on ne peut pas croire quelqu'un qu'on n'écoute pas. Et Joseph Branham est venu dire, pour que vous croyez William Branham, vous devez l'écouter. Oh, pour l'écouter, il a dit, vous devez croire chaque mot qu'il prononce. Chaque mot. Amène les gens à te croire. En quoi faisant? Comment? Fais en sorte que les gens là t'écoutent. Et William Branham, ayant compris cela, c'est pourquoi il a dit, écoutez ma voix. Il a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Il a dit, ces bandes resteront vivantes. Il a dit, ces bandes seront jouées des années après que je sois parti. Il a dit, c'est sur cette bande. Il a dit, quoi? Vous pouvez faire taire le corps qui parle. Mais vous ne ferez pas taire cette voix. Pourquoi? Parce que la voix là, c'est la voix de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que l'ange a dit, amène les gens à te croire. On ne peut pas croire quelqu'un qu'on n'écoute pas. Et Joseph Branham nous dit aujourd'hui que lui, c'est lui qui dit aux gens que d'écouter les bandes, c'est la chose de passer les bandes à vos églises, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Et il dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, mais regardez, les prédicateurs sont de l'autre côté nombreux. Et ils disent que non, oui, et tout ça, c'est faux de passer les bandes dans l'église. Frère Branham n'a jamais dit de passer les bandes dans l'église. Regardez ce que Joseph a fait. Lui seul d'un côté de la balance et les autres de l'autre côté. Est-ce que vous avez vu ça? Comme moi, je vois ça ici. C'est écrit, hein? C'est là. J'espère que vous avez la lettre. C'est là. Oui, frère Yorick, Joseph est notre guide incontestable. Non, Joseph, tu n'es pas dans l'erreur. Toi, tu n'es pas dans l'erreur quand tu nous dis que passer les bancs dans nos églises, c'est la meilleure chose que nous puissions faire et que c'est un ainsi dit le Seigneur. Tu n'es pas dans l'erreur. Au contraire, ce que tu dis est la vérité. Mais c'est nous, les prédicateurs, qui sommes dans l'erreur. Quand nous disons que c'est faux de passer les bancs dans l'église et que Frère Branham n'a jamais dit de passer les bancs dans nos églises. Quand nous disons aux gens d'écouter les bancs seulement chez eux et qu'on ne doit pas que chez eux, dans les voitures, tout le temps, mais qu'à l'église, on ne doit pas et on doit nous écouter, nous les prédicateurs. Nous sommes faux quand nous disons ce genre de choses. Frère Joseph dit, quel esprit vous conduit? Dites-vous, ce qui est dit sur les bandes est mon absolu et la chose la plus importante que je puisse entendre? Ou dites-vous, les bandes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas mon absolu et ce n'est pas la chose la plus importante à entendre, c'est plutôt le ministre. Ils ont traduit par le ministère, mais moi je mets le ministre à ce niveau-là. Le ministre. Non, 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 frère Joseph. Ce qui est dit sur les bandes, c'est notre absolu-là. Et pour nous, là, c'est la chose la plus importante que nous puissions entendre. C'est ça. C'est ça que nous croyons. Ce n'est pas le ministre que nous voulons entendre. Oui, oui. Ce n'est pas le ministre que nous voulons entendre. C'est maintenant le temps de la semence ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes, les balles ont séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touchée. C'est une vierge. Souvenez-vous un temps de la parole vierge. Frère Joseph termine en disant, venez écouter la nouvelle manne. Amen. Venez écouter la nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel ce dimanche à 12h de Jeffersonville, alors que nous écouterons 65-02-18, la semence n'hérite pas avec la balle. Lettre signée Frère Joseph Branham. Oui, demain nous allons écouter la semence qui n'hérite pas avec la balle. Oui,
Ils n'héritent pas ensemble. Ils n'héritent pas ensemble. La semence ne peut pas hériter avec la balle. Ils ne peuvent pas. Abraham va faire les dons au fils de ses concubines et il va les éloigner. Mais tout son héritage, il va donner à Isaac. La semence ne peut pas hériter avec la balle. Ce n'est pas possible. C'est ce que nous allons écouter. Parce que la balle croit chaque... La semence croit chaque mot. La semence croit chaque mot prononcé sur bande. Mais la balle dit, non, 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 nous voulons les bandes et le ministre. Non, non, non. Nous ne voulons pas de la révélation de la balle. Nous, c'est la semence. Nous voulons la révélation de la semence. Chaque mot prononcé par le prophète. Et je veux bénir Dieu pour un homme comme Joseph Branham qui a su et qui sait que Dieu utilise puissamment pour créer en nous cette foi-là dans chaque parole prononcée par le prophète de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retournez lire la lettre là et regardez comment Frère Joseph s'est mis d'un côté et il a mis tous les ministres de l'autre côté. Mais ça devrait être une honte pour nous les ministres de voir, de constater que seul Joseph dit aux gens d'écouter les bandes et nous on ne peut pas le faire. C'est une honte pour nous. C'est un échec. Et c'est la preuve davantage. C'est davantage de preuve que nous nous sommes vraiment égarés avec les brebis que nous prétendions conduire. Quand nous ne pouvons pas dire aux brebis que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes. Dans l'église, c'est la priorité. Et quand nous nous sentons conduits, on peut prêcher. Mais quand ta conduite devient perpétuelle, au point où tu prêches tous les jours, tous les jours, tous les jours, le prophète ne prêche jamais. Mon frère, va à l'hôtel. Collègue ministre, va à l'hôtel prier. Il y a un problème. Joseph nous a dit que quand un ministre, un pasteur et autre docteur ne vous dit pas que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes, ce ministre-là est un faux. Et aujourd'hui, nous savons comment identifier les faux ministres. Tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Pour ceux qui le voudront bien, nous allons rester, écouter un peu Frère Branham, cette voix-là justement, puisque nous avons dit que la chose la plus importante, ça. La chose la plus importante, c'est d'écouter peut-être. On va l'écouter. On va l'écouter. Le temps qu'on pourra écouter. 10, 15, 20 minutes, on va écouter. Parce que nous voulons montrer l'exemple. Après, nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez avec l'enseignement qui est sur les bandes. Restez avec les bandes et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, je vais prendre un autre passage de l'Écriture, si c'est d'accord, un petit instant. Souvenez-vous, là, dans les Évangiles, nous lisons au chapitre 16, je crois, des Actes, que Paul et Silas étaient en prison une nuit. Ils avaient été battus pour avoir chassé un esprit démoniaque d'une diseuse de Bonaventure. Et elle, ses maîtres, s'étaient fâchés pour ça. Alors, il les avait battus et les avait mis dans la prison intérieure. Après quoi, pendant que Paul et Silas priaient, alors Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a secoué toute la prison. Le geôlier philippien, qui était centenier, alors d'avoir perdu ses prisonniers, il aurait à payer de sa propre vie la perte des prisonniers. Ouais. Il a tiré son épée et il allait se suicider. Quand Paul a accouru et a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et ce centenier, disons, était de ceux qui avaient été impressionnés par Paul et les autres.
Ils avaient peut-être chanté des cantiques. Ils avaient peut-être témoigné ou fait quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ils savaient que c'était des hommes saints. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez ces hommes-là. Amen. En effet, rapidement, il a demandé, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»« Amen. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors Paul a dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ. » Amen. « Et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Amen. Eh bien, alors, si de croire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que son salut à lui allait sauver sa famille. Mais s'il a assez de foi en Dieu pour son propre salut, il peut avoir la même foi pour sa famille. Amen. Et sa famille devra entrer aussi. Voyez-vous, même chose. Amen. Tout comme Job l'avait fait, comme je l'ai dit l'autre soir, là-bas en Géorgie, à une réunion. J'ai dit, Job, il disait, « Bon, je ne sais pas si mes enfants ont péché, mais s'ils avaient péché. » Et Job avait une seule chose à faire, pour être juste, c'était d'offrir un holocauste. Amen. Il disait qu'il allait offrir l'Holocauste. Et alors, si ses enfants avaient péché, ils seraient pardonnés de leur péché. Et c'était vraiment une bonne chose que leur père ait fait ça. C'était bien pensé de la part de ce père. Nous avons besoin de plus de pères, de cette trempe aujourd'hui. Et Job a offert l'Holocauste. Ça, c'était avant que sa tragédie commence. Mais quand tous ses enfants ont été tués et toutes ses brebis détruites et que tout ce qu'il avait lui a été enlevé, il était assis sur le tas de cendres derrière sa maison. Il se grattait avec un tesson. Avez-vous remarqué, après les jours de sa tragédie, quand Dieu s'est mis à lui redonner, là où il avait eu 10 000 têtes de bétail, et ainsi de suite, il lui en a redonné le double, et le double du nombre de ses brebis, et le double de tout. Mais avez-vous remarqué, et Dieu a aussi donné à Job ses 7 enfants. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé où ils étaient? Vraiment. L'Holocauste les avait représentés. Sous le sang. Ils étaient sauvés dans la gloire. Amen. Ils attendaient qu'il arrive. Amen. Il est avec eux aujourd'hui. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Voyez? Alors Job avait une seule chose à faire pour être juste. Amen. C'était d'offrir l'Holocauste. Amen. 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 Vous avez une seule chose à faire pour être juste. C'est d'avoir la foi en Dieu. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Amen. C'est par la foi que vous êtes guéris. C'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Amen. Voyez?
Amen. C'est par la foi que vous le croyez. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Maintenant, monsieur, si vous avez ici avec vous le bébé pour qui on doit prier, croyez vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre. Et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ce bébé. Amen. Amen. Vous voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si nous pouvons seulement arriver à... Ce pouvoir est contrôlé par une loi. Comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau, parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. Le soleil est contrôlé par la terre, la rotation de la terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose au soleil, là, dire « Je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi une heure. » Il ne le fera pas, voyez-vous, parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien, alors, tout ira bien. Si vous vous couchez à l'heure, vous pourrez vous réveiller à l'heure. Et si vous, par exemple, nous avons le lac supérieur, le lac Ontario, le lac Huron et tous les grands lacs là-haut. Nous avons des dizaines de milliers d'acres de terre au Nevada, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique qui sont en train de griller à cause du manque de cette eau. Des terres où on pourrait cultiver n'importe quoi. Vous pourriez nourrir le monde entier là-bas, si seulement vous aviez là-bas cette eau qui se trouve là-haut. Et ces lacs n'en seraient pas affectés, parce qu'ils sont alimentés par des sources. Dès que leur niveau baisse, ils remontent aussitôt, parce que la gravitation le maintient là. Eh bien, alors, si vous pouvez agir selon la loi de la gravitation, vous pourrez prendre tous les grands lacs et arroser toutes les contrées là-bas et nourrir le monde entier. Plus personne n'aurait faim. Mais vous ne pouvez pas rester assis là et dire « Oui, je le vois, c'est sûr. Il faut que vous alliez le faire. » Amen. 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 Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. Amen. La loi de Dieu, c'est la foi. C'est juste. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant,
si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen. Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon le besoin que nous en avons. Amen. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres, une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance, mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Alors maintenant, ce matin, quand vous viendrez pour qu'on prie pour vous, souvenez-vous, la Bible a dit ceci. Ceci est vrai. Jacques 5, 14. Amen. S'il y a parmi vous des malades, oui, qu'ils appellent les anciens de l'Église. Amen. 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 Que les anciens les oignent d'huile et qu'ils prient pour eux. La prière de la foi sauvera le malade. Et Dieu le relèvera. Amen. C'est une promesse. Amen. Si vous y croyez. Amen. Donc, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. Amen. Elle l'était aussi au jour de Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas guérir les gens en allant contre leur propre foi. Il disait, je le peux si vous croyez. Si vous croyez que je suis capable de faire cela, je peux le faire. Si vous pouvez le croire. Ainsi, certaines personnes projettent la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre, des évangélistes. Ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Elle est en vous. Ils mettent simplement la charrue avant les bœufs. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de guérir. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Et vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est correct. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu, à dire, c'est la vérité. Dieu a dit qu'il me guérirait. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Voilà, vous savez ce que vous faites. Vous commencez à faire sortir de vous la guérison, c'est tout. Voyez. Et alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Or, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. Alors, il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait, c'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Gardez-moi encore un peu de temps. Il continue simplement à boire. Et je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup, les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent.
parce qu'il croyait qu'elles étaient en lui. Et si vous croyez que la puissance du Saint-Esprit est en vous pour vous guérir, alors voilà, continuez simplement à pousser. Voyez, vous avez la foi. Vous ne pouvez pas voir les résultats tout de suite. Vous ne les voyez pas. What do we say then between the two? Abraham was speaking on what? I mean,